Une chasse au trésor dans la ville de Sarreguemines, ça vous dit? Eh bien, ça tombe bien, le pub McLaren a décidé de marquer le coup pour la Saint-Patrick en dissimulant 5 chapeaux verts dans la ville. Alors parce qu'en tant que pub irlandais, pour nous, la Saint-Patrick c'est un jour assez important, qu'en plus c'est notre deuxième anniversaire, et comme vous le savez, les bars sont encore fermés, donc il fallait qu'on trouve autre chose. Et ben finalement la seule chose qu'on peut encore faire librement c'est se promener. Donc il fallait trouver quelque chose autour de la promenade et de la balade. Et donc un soir autour d'une table est venue l'idée de cette chasse au chapeau, on va dire. Et puis aussi ça peut permettre éventuellement à certaines personnes de redécouvrir un peu la ville de Sarreguemines. Donc c'était en plein dans le mille, on va dire. Le but du jeu est simple, trouver un chapeau et se prendre en selfie avec avant de l'envoyer par message à la page Facebook du pub McLaren's. Un t-shirt ou un bon d'achat de 10 euros sont à gagner. Ce matin vers 10h, Pierre, un habitué du bar, est le premier joueur à trouver le fameux chapeau. Bah, ça me permet quand même de vivre dans une moindre mesure la Saint-Patrick. Normalement, habituellement, c'est au McLaren's, chaque année, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, bah voilà. Là, j'ai quand même un petit lot de consolation dans cette chasse au trésor. Et ça me permet de revenir quand même avec un produit dérivé qui va s'ajouter à ma longue collection. Donc voilà. Cette Saint-Patrick a un goût particulier cette année, mais grâce à cette chasse au trésor, vous pourrez en même temps profiter du joli cadre qu'offre la ville de Sarreguemines.